Salut, salut à tous. Alors, bienvenue dans Ratchet & Clank. Alors, je vais reprendre la suite de nos aventures. Bon allez, moi je commence. Enfin. Bon, alors, allons-y. Nous y voici. Alors, n'empêche que je sais pas, mais pour moi, il y a une jolie vue. Attends. Déjà. Alors, est-ce que j'avais déjà tout fait ici? Nine.
attends, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas... Attends. Ça n'est pas possible. En fait, j'ai tout fait ici, enfin sauf passer dans la zone là. Ouais. Laisse tomber. Améliorer ton pixeliseur. Allez, allons-y. Pixeliseur, il est où? Tu vois quelque chose qui te plaît? Ouais. Alors, ouais. De quoi tu es reçu sur tes amis? De quoi dans? Tu es reçu sur tes ennemis, donc encore plus loin. Ouais, ok. With wise dog. On va où? On doit découvrir ce que Nefarious mijote sur la planète Gaspar. Eh ben dis donc, ça c'est un nom du... Voyons si on peut trouver ce jetpack. Ouais. Ça c'est un nom d'une planète. J'ai le sentiment qu'on a encore une mission à remplir sur Rilgar. Bon, je vais forcer un peu le son.
Voilà, c'est bon. Ok, allons te dégoter un nouveau jetpack. Nefarious ne plaisante pas avec cette opération. Non. Allons voir, on trouvera peut-être quelque chose. Ratchet rêvait de monter sur ce glissorail, et il le ferait dès qu'il aurait trouvé des glisses aux bottes. Ok. Ah ouais, ça tue d'un coup. Ok, d'accord. Ratchet rêvait de monter sur ce glissorail, et il le ferait dès qu'il aurait trouvé des glisses aux bottes. Bon, je crois que par là, j'ai tout pris. Je peux rien apprendre. Ratchet pourrait utiliser cette station de ravitaillement dès qu'il aurait mis la main sur le jetpack. Ok, ça roule. Bon, je vais prendre l'ascenseur. Ah ouais, ok. Monsieur Surcon s'ennuie. Super, une porte blindée. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tout soit fabriqué en alliage dense? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Ok, donc on est obligé de passer par. Ouais, par là. Non. Sérieux? Je peux pas détruire la caméra. Si.
Il n'y a pas une tourelle quelque part? Très important de bien regarder. Pardon. Monsieur Surcon s'ennuie. Attends, t'auras d'occupation bientôt. Pleure pas. Good. Bon, allez. Monsieur Surcon s'ennuie. C'est pour ce genre de moment que je Envoyez toutes les équipes d'intervention dans le secteur 3 et débarrassez-moi d'eux avant que je perde patience. Monsieur Surcon est purement indestructible. Fuyez. Oh non, je suis à sec. La mort est trop stupide pour Monsieur Surcon. Pourquoi vous vous cachez, maudits extraterrestres? Monsieur Surcon veut simplement vous aider.
tourelle qui... qui embête, hein. Sérieux? On va gagner. Personne ne t'avait prévenu pour Monsieur Zurfer. Monsieur Zurfer ne cherche pas de thé. Je vais t'épargner, petit extraterrestre. Ça va pas la tête. Monsieur Zurfer vit pour tuer. Oh non. Monsieur Zurfer est purement indestructible. Ouais, bah, pas mon truc. Ok, ok. Nine. Les ennemis arrivent. Sérieux? Ok.
Mijote en approche. Oh non, d'autres ennemis. Monsieur Zurkon n'a pas besoin de nanotech pour vivre. Monsieur Zurkon se nourrit de la peur. Attends, il y en avait combien en fait? Un verrou à trois points. Pour l'ouvrir, nos héros allaient devoir se surpasser et activer les trois boutons en même temps. Trois boutons alors que... Ouais, comme on surprend. Donc ça fait un total de trois. Ouais. Oh. Où est le dernier bloc? Alors, cool! Des glissobots! Ça alors, il... Cool! Et c'est dans cet endroit improbable que Ratchet trouva une paire de glissobots flambant neuves. Après avoir enfilé ses glissobots, Ratchet bondit sur le rail. Wow!
me rappelle, mais celui que... Toujours en quête du jetpack, Ratchet utilisa ses toutes nouvelles glissobots pour explorer la planète. Ratchet pourrait utiliser cette station de ravitaillement dès qu'il aurait mis la main sur le jetpack. Ratchet bondit gracieusement sur le rail à côté de lui. Sa mine détectée droit devant. Ok. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Je sais qui vous êtes. Vous êtes le Lombax et le robot dont on parle aux infos. Oh, et vous devez être l'assistant à notre qui a terrorisé la galaxie. Ça, ce n'est qu'un petit boulot. Ma vraie passion, ce sont les neurosciences amateurs. Ça fait maintenant un an que je collectionne les cerveaux de télépathopoulpes pendant mon temps libre. Votre passe-temps, c'est les cerveaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous êtes célibataire. L'étude des cerveaux est une noble quête. Si j'arrive à maîtriser le pouvoir psychique de ces télépathopoulpes, je pourrais créer une armée. Et là, on verra si ma nourriture disparaît encore du frigo de l'entreprise. Je veux dire, je pourrais contribuer au bien de toute l'espèce blargue. D'ailleurs, si vous me rapportez quelques cerveaux de télépathopoulpes, je vous donnerai ce jetpack. Ça marche. Burk, c'est vraiment répugnant. Vous en avez trouvé un ? Bravo ! Tu ne fais pas le coup, monsieur Zurgon. Ratchet pourrait utiliser cette station de ravitaillement dès qu'il aurait mis la main sur le jetpack. Dernier bloc. Je suis le... Ah, ok.
pied pour le moment. Ah d'accord, il faut que j'ai 6 cerveaux. Faut que j'ai 10 cerveaux. Et là, sur 10, j'en ai 6. Super. Chose promise, chose due. Et voilà. Écoutez ça. J'ai un info-robot top secret de Drake Industries en ma possession. Si vous m'apportez encore quelques cerveaux, j'envisagerai peut-être de m'en séparer. Les cerveaux, c'est vraiment votre dada, hein? Oui, j'avoue. Grâce à ce jetpack, Ratchet devint un fléau aérien pour des milliers de planètes. En tout cas, ses déplacements furent grandement facilités. Vous revoilà. Est-ce que vous avez trouvé d'autres cerveaux de télépathe aux poulpes ? Il faut que j'en ramène encore. Alors, cerveau collecté, ouais. Faut que j'en collecte 20. Ratchet utilisa le jetpack pour survoler de très haut le territoire ennemi. Okay. Le cerveau du télépathe poulpe est un organe incroyablement complexe. Je vais devoir écrire un article dessus.
soit au bout de l'huile. Et oui. Ok, ça va, on a compris. Je suis sûr qu'on n'a pas besoin de boulons. Sa monnaie, c'est la douleur. Donc, ok. Pensais qu'il serait plus coriace que ça. J'adorerais collecter ces cerveaux moi-même, mais mon médecin m'a diagnostiqué un énorme poil dans la nappe.
Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais il m'a dit de ne surtout pas forcer et que ça passerait sûrement tout seul. Peut-être que si je me rasais... Oh, je devrais quand même demander un deuxième avis. Est là pour détruire. Va falloir traîner là. Attends. Il y a encore un. Oh, le dernier, lui. Personne ne t'avait prévenu pour me
espèce de mouviette. Tu devras faire comme un bébé. Bon, oh. Je crois que c'est bon, j'ai pas rien à faire. Monsieur Surcon s'ennuie. Mon armée de télépathopoulpes est à portée de main. Voilà votre inforobot. Et n'oubliez pas, ce n'est pas moi qui vous l'ai donné. Bonsoir, mes très chers villas. Ici le président grec, avec les dernières informations sur notre quête d'une nouvelle planète. Dans les quelques jours à venir, vous remarquerez certainement une augmentation de l'activité Blark dans la galaxie. Même si nous courons le risque d'attirer l'attention des autorités, cette étape est cruciale afin d'assurer le passage sans encombre de nos moissonneurs. À titre d'exemple, le canon défensif de la tour de garde sur la planète Batania. Ce canon ionique surface-espace protège la galaxie de toute tentative d'invasion depuis le premier jour où nous sommes venus nous réfugier sur Terre. Une fois cet obstacle éliminé, nous aurons le champ libre pour poursuivre notre quête. Les préparatifs touchent déjà à leur fin. Alors tenez bon, ne vous inquiétez pas, et blablabli, et blablabla. Quand nous aurons détruit la tour de garde et neutralisé les forces qui la protègent, nous pourrons entamer l'étape ultime de mon super plan. On doit empêcher Drake de détruire le canon défensif de la tour de garde. D'après mes données, le canon se trouve sur la planète Batalia. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous paierai le double pour m'apporter les derniers cerveaux qu'il reste par-ci. J'ajouterai même une prime si vous les trouvez tous. Thank you.
amélioration pour ton gros vitron. T'as ce qu'il faut. Ouais, je vais peut-être atteindre mon quota cette semaine. Bon, alors maintenant... Je viens justement de m'acheter cet article. Il marche au poil, tu peux me croire. Il ne reste plus grand chose pour le combi store. Alors ça ne t'énerve pas d'être à court de munitions. Augmente ta réserve de munitions. Ok. Bim ! Et voilà le travail. Prends tes ennemis au dépourvu en augmentant la vitesse de tes tirs. Secoue tes ennemis pour récupérer encore plus de bonus. Ouais, on ne fait pas mieux. Oh bah ça y est, il est au maximum. Alors maintenant, je vais augmenter les urcons parce que il sert en fait. La main sur un frappeur plasma, un bioscope pseudo-spectral pourrait identifier les points faibles des ennemis, mais était-il assez habile pour faire mouche? Vous avez déjà senti un cerveau de télépathe au poulpe? Ça sent le bonbon. Bizarre, hein? Je vais t'épargner, petit. Ça va pas la peine, monsieur, sur ton vie pour tuer. Je trouve à l'école, celle où on apprend à briser des crânes. Et il est le premier de la classe. Et 1, et 2, et 3, cadavres, et 4, et 5, et 6, cadavres. Oh mince, on a intérêt à trouver des nanotechs. C'est pour... Ok, ça a téléporté. Ah non, Ok.
de retourner là-bas. J'ai eu le temps de faire ce que j'ai voulu. Salut Brice! Salut! Alors, ce combustor, le combustor, ça donne qu'il est à fond. Et là, maintenant, j'ai voulu mon robot. Monsieur Zurkon s'ennuie. Ah, j'ai exactement ce qu'il te faut. Voilà, ça y est. Alors, ça va? T'as bien mangé, sinon? Voilà, je récupère les 60 cerveaux. Ça va toujours. Ok. Non, apparemment, ah si, ouais. Non. Monsieur Zurkon s'ennuie. Monsieur Zurkon n'a pas besoin de nanotech pour vivre. Monsieur Zurkon se nourrit de la peur. En fait, là, ça va être chaud sans... Ah, là-bas. Espèce de mauviette. Tu te bats vraiment comme un bébé. Le combustor, quand il est à fond, il est trop bien. La mort est trop stupide pour Monsieur Zurkon. Ah la vache. 3 balles de plaisir. Ah ouais, pour le combustor, ouais. Après je me dis qu'est-ce que ça va être pour améliorer Zurkon à fond. Je suis encore loin du compte, il me faut
Encore 40. Ah, de quoi, Zurkon est déjà le level max. On peut l'améliorer pourtant. Alors attends, je vais regarder ça après. Oh purée. J'avais même pas vu. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, au level 5, d'accord. Il n'y a plus de jus. Alors au level 5, t'as Zurkon et Mini Zurkon. Ok. Bon, je sens que pour les cerveaux, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, good. C'est où pour se recharger? C'est là-bas. Bon allez, c'est bon, on va dire. Maintenant,
je vais récupérer le reste. Pour le président Drake. Je le touche. Non, même pas, il est trop loin. Oh, c'est pas grave. Bon, ok, ça va. Putain, le dernier, il est où? Ah, ok, il est là. Parfait. Thank you.
Non, 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 non. Purée, non. Ça, c'est... D'accord, ok. Monsieur Zurkon est là pour détruire. Mini Zurkon est arrivé. Bon allez, je vais recommencer. C'est aussi le fait de nous passer. Monsieur Zurkon s'ennuie. Ah, il y en a un là-bas, un coup. Des nanotechs. Et pourquoi pas une petite sieste aussi, Lombax? Monsieur Zurkon s'ennuie. Oh, il s'est... Ah, il est toujours là. Atmosphère instable, panne mécanique imminente. Non. Je pensais que je pouvais aller dessus, mais non en fait. Il est plus là, du coup. Ah,
Ah, super. Monsieur Surcon est là pour détruire. Mini Surcon est arrivé. Surcon s'ennuie. Mini Surcon. Monsieur Surcon est pas venu. Monsieur Surcon est purement. Ça fait plaisir de trouver une recharge. Monsieur Surcon s'ennuie. Ah, une zone que j'ai pas encore. Je suis pas encore parti. Alors. Le rari. Le Raritarium. Ah, en fait, j'ai déjà pris. J'en ai combien? 6. Ok, ça marche. Je peux aller là-bas, moi. Monsieur Surcon est là pour détruire. Mini Surcon est arrivé.
good. Bon, sans doute le meilleur niveau. Que j'ai fait. Monsieur Zurkon s'ennuie. Tu vas bientôt être tué par Mini Zurkon. Mini Zurkon a réussi à tuer un truc. C'est bien, Mini Zurkon. Fais bien ton travail. Monsieur Zurkon n'a pas besoin de tech pour vivre. Monsieur Zurkon se nourrit de la peur. Tu oses t'en prendre à une petite boule de quoi ? Qu'est-ce que c'est chaud et chiant en même temps. Non. Ok, voilà. Bon, alors je suis à 44 et il me manque encore 16 cerveaux et après ben c'est bon, je peux changer de zone, je crois. Enfin, on verra bien. Alors, il y a encore des zones où j'y suis pas encore parti. Maintenant, moi, comment je fais ? Oh, purée, super. Ouais, mais moi si. Alors, c'est bien.
Bon, alors... il y a une zone... ici... Oh non, pas... Ah, voilà, c'est là-bas. Monsieur Zurkou m'entend encore, mes cœurs qui battent. La mort est trop stupide pour Monsieur Zurkou. Alors il est par où la recharge pour le jetpack? Monsieur Zurkou n'a pas besoin de nanotech pour vivre. Monsieur Zurkou se nourrit de la peur. Ah, il y a un gars. Pardon. Ah, voilà. Tu es une maladie, et Monsieur Zurkou en est le remède. Monsieur Zurkou est purement indestructible. Ok, ok, ok. Alors... Tu ne fais pas le poids contre Monsieur Zurkou. Et là maintenant c'est... Ah, là-bas. Monsieur Zurkou s'ennuie. Maintenant c'est en face.
Je sais que je pourrais, mais non, tout compris. Bon, alors, il me manque encore 8, et après je suis bon. Monsieur Zurkon s'ennuie. Il faut que je détruise encore quelques cerveaux, quelques poules. Six, ouais, c'est ça. Ok, c'est la bonne direction. C'est la plateforme. Non, bah, il y a un truc utile. Le raritarium. Bon, et là, maintenant, il faut que j'aille en bas. Bon, là je vais aller en bas à gauche. Alors si je ne me trompe pas, si par par là. Thank you.
qu'il y a un là. Continuez de vous battre. Cool. Mais non, mais purée, mais... Non. Ah purée, il y a encore 3 purées de cerveau. Que si je fais ça, alors déjà je vais aller améliorer. Tu n'améliorerais pas ton frappeur plasma. Alors attends, le frappeur plasma, ah il est là. J'achèterais vraiment ça si j'étais toi. Transforme une super arme en une arme démente. Oh purée, je sens que c'est pas fini et je vais passer des heures et des heures dessus.
truc, je m'en souviens pas où c'est. Un cerveau poule quelque part. Tu t'ennuies, mais moi je galère. Je veux pas aller dessus. Ok. Attention, atmosphère instable, panne mécanique imminente. Ok, voilà un cerveau. Il y a un poule. Est-ce qu'il peut avoir un poule?
Il me manque deux, purée. C'est pareil. Non, bah c'est... Je vais te voir. Oh putain. Ça va pas la tête, monsieur, surtout. C'est la dernière fois à être tué par Mini Gerbon. C'est quelque chose. Monsieur Zurkon s'ennuie. Ah, là-bas. Ouais, le deuxième. Ah, il a... Incroyable! Vous les avez tous trouvés! Venez chercher votre récompense! Déjà, je pense. Dernier bloc. Ah
Ok. Le seul truc qui est indiqué, c'est le PNJ. Et pour les quêtes qu'il faut faire, t'as même pas d'indication, rien pour les mobs et tout, pour les mobs que tu dois faire. Tous trouvés. Je vais enfin pouvoir créer mon armée. Vous voulez dire les utiliser pour le bien des Blargues? Oui, c'est ça. L'heure de la vengeance a sonné, Jean-Michel. Mon jambon. Ça fait peur la manière dont il a dit ça. On est pris au mauvais Blargues. Mais plus tard, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais. Ce petit gadget fort utile rien que pour vous. Donnez juste un coup de clé et le casse-au-caisse détruira les boîtes alentour. Ensuite, vous pourrez ramasser les boulons à distance. C'est presque aussi pratique qu'un cerveau de télépathopoulpe. Bon. On va... Attends, il est quoi là? Ah ouais, 2 heures. Ok. Enfin, j'ai fait pour 2 heures de live. Et là, en ce moment, il doit être 3 heures du mat. Bon, bah, moi, c'est pas que, mais je vais en rester là, moi, pour aujourd'hui. Jetons un œil chez ce vendeur. Jette donc un œil à mon stock. Tu trouveras les meilleures affaires de la galaxie. Pareil. Bon, de toute manière, je vais tous les améliorer. Ça va. Bon, bah voilà, moi c'est terminé, donc je vous dis bonne soirée ou bonne nuit, et moi je vais dormir. Allez, à plus et portez-vous bien. Bon, allez.